Salut, salut, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul. Alors, j'ai commandé sur AliExpress dans la continuité des dyes steampunk que j'avais reçus il y a quelques temps. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'autres dyes. Donc, je vais vous les présenter. Je vous ai préparé les découpes. Comme ça, vous allez pouvoir revoir ce que ça rend coupé, collé. Et là, j'ai collé toutes les petites pièces. Je me suis amusée à mettre toutes les petites pièces qu'il y avait au niveau des découpes. Alors, je vais vous en montrer ça dans 5 secondes parce que, en fait, les dies sont livrés en pochette plastique et vous avez une pochette comme ceci avec. Donc, je les ai tous regroupés ensemble. J'avais oublié, mais la dernière fois, c'est pareil, j'en avais une rouge et du coup, je ne vous l'avais pas montré. Donc, vous voyez, ils vous mettent cette petite pochette avec et je trouve ça plutôt sympa. Donc, je vais vous montrer. Celui-ci, c'est un cœur. Donc, j'avais déjà pris un cœur la dernière fois, mais celui-ci est totalement différent. Donc, je vais vous le montrer monté. Donc, je l'ai monté, je l'ai coupé en papier miroir et en noir. Et regardez, j'ai fait les deux, les créations avec toutes les pièces. Et du coup, ça rend plutôt sympa. Moi, je trouve ça trop beau. En plus, sachant que les rouages, on peut s'en servir pour d'autres créations, pas forcément avec le cœur, quoi. Donc, moi, je trouve ça plutôt sympa. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'adore. Je suis fan. Dites-moi en commentaire. Voilà. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Comme ça, vous pourrez les retrouver facilement. Donc, ça, c'est le premier. Ensuite, j'ai pris cette pomme. Ça, c'est une pomme. Alors, du coup, elles sont là. Voilà, ça donne ceci une fois que c'est monté. Je la trouve, mais juste trop belle. Sur le papier miroir, on voit très bien l'embossage des pièces. Hein. Franchement, plus que sur le noir, c'est sûr. Mais franchement, c'est vraiment très beau. Je pense qu'il y a des pièces que j'ai pas dû mettre, que j'ai dû perdre en route. Ben non, je les ai toutes mises. Non, non, c'est bon, j'ai tout. Donc, voilà, vous voyez. Là, vous avez cette partie-là, c'est celle-ci. Ça, c'est ça. Celle-ci, c'est le bas. L'horloge, enfin, ça, là, c'est là. Ça, c'est ce morceau-là. Là, c'est, elle est là. Celui-ci, c'est ce morceau-là. Et le ouf, il est là. Et donc, je vais les laisser accrocher comme ça pour pas perdre mes pièces. Hein. Et pour savoir quoi va avec quoi. Parce qu'une fois que c'est décroché, vous savez plus qui va avec quoi. Ensuite, j'ai pris celle-ci. Donc, ça, c'est une plume. Donc, vous avez la plume argentée et la plume noire. Donc là, vous avez la plume, la clé qui est cachée. Donc là, elle est en argent, ici, elle est en noir. La chaînette qui est là. Cette partie-là, je l'ai mise là. Le disque, là, enfin, le rouage, je l'ai mis là. L'horloge, elle est là. Le petit rouage, il est là. Et le gros rouage, là, il est en dessous. J'étais en train de le chercher. Je me suis dit, ça y est, tu l'as pas mis. Mais si, si, je l'ai mis. Regardez. Ça rend trop joli. C'est trop joli. Après, il faut varier les couleurs. Enfin, faut voir avec les couleurs. Là, je vous ai fait ça avec mes chutes. Voilà, j'avais des chutes à passer. Donc, je les ai faites comme ça. Là, ensuite, j'ai pris le sous-marin. Donc là, vous n'avez qu'une seule pièce. Mais vous avez tout le hublot, les deux hublots. Cette partie-là et cette partie-là. Bon, vous avez aussi ces deux, trois parties-là, enfin, ces quatre parties-là, cinq parties-là, qui se détachent. Et du coup, j'ai remonté le sous-marin en inversant les couleurs. Et je trouve ça plutôt joli. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'adore. Ça fait très 20 milieux sous les mers, j'adore, j'adore. Et le dernier que j'ai pris, c'est celui-ci. C'est un poisson steampunk. Et honnêtement, quand vous allez voir le montage, il est juste magnifique. Regardez. Vous voyez, vous avez tout le poisson complet. Enfin, le poisson, oui, complet. Là, vous avez la mâchoire qui vient s'intégrer ici. Là, vous avez des petites pièces. Hein. Là, vous avez cette chaînette qui est là. Ça, il est au-dessus ici. Et vous avez une autre partie, c'est celle-ci qui est... Où c'est que je l'ai mis, celle-là? Ici. En dessous de cette partie. Ah non, elle est là. En dessous de l'anneau, enfin, en dessous du rond, elle est là. Elle descend. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'adore ces dies. Au niveau des découpes, et en plus, ils se découpent super bien. Il n'y a aucun souci. C'est vraiment des belles découpes et il n'y a aucun problème avec. Moi, j'en suis super contente. Honnêtement, vraiment, vraiment. Et j'en attends encore des autres. J'en avais encore commandé encore un jeu comme dans ce style.
Et je les attends, je devrais les avoir en début de semaine. Ben ouais, les magasins chez nous sont fermés. Et ben, on commande, hein. Et puis, c'est tout, hein. Voilà. Bon, ben écoutez, moi, j'espère que ce petit haul vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Et surtout, 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 prenez soin de vous. Allez, bye bye.